Bonjour. Welcome to everyone on Facebook, following us on Bayam, and also on Zoom today. Thank you for our students who joined Zoom. Thank you, Lena from Padova, who is coming in to chat with you again today. And thank you to all the team, and also the French Embassy in New York City. Bayam again in Paris, Tobo in Montreal, and bien sûr Hervé Tulet in now Normandy in France. Today, as I mentioned yesterday, I wanted to give you a little tour of La Petite École on the Upper West Side, where I'm doing the live from today. And so I'm going to carry you across the school very quickly. Before we get started. So this is where the children put their coats and their shoes when they come in the morning. Here is a picture of the wall of PS 84 that we sponsored and pretty much, organized with all the permits and all the things that came with it. It was a very interesting experience. And it's really beautiful if you're in New York City. Come and visit. It's between Central Park West and Columbus, between 91st and 92nd Street on the Upper West Side, next to Central Park. So this is what we call the Salon de Curiosité, the Curiosity Cabinet, the Curiosity Salon, where there's usually about nothing that the children have made here. I just see a few things from Hervé hanging around. They were left from March. But here there is contemporary art. Here's a beautiful painting by Alejandra Silver. She's an Argentinian artist. You have another artist here, Nina Bovasso, who is another great inspiration for the school. As you can see, it was before I met Hervé, I already loved flowers. But also you have this wallpaper, which is something you would find in France. You know, old country home. And so the idea was to come to La Petite École and feel a little bit like you were in France with Aubusson carpet, and just to feel that culture came through design, basically. And the lamps also come from Lyon. So we had fun with that. And then you enter what we call our atelier, where we do things that nobody has done before. And so this is all about me. So the Salon de Curiosité was about the past and what happened before I was born. When you come to the atelier, this is about what you have to say. And so here you can see our palette that was designed by Arnaud Stern, who is a French educator, and our beautiful wall that's been painted over and over by the children since 2010. And you see we have 18 colors, and so they don't have to mix colors. They just have to paint without even thinking. So we put paper straight on the wall. The palette is away from the wall, and they go back and forth. They're about five at a time. It's really, really fun. And this is also something that's inspired by Bruno Munari. It's a little shelf full of little interesting things, and that we use to draw. There's some natural material. There's some plastic of the same color. There's also things that come from the sea. You can find all kinds of curiosity things here, and we create with them. And so now I'm gonna go back to our workshop, and here is my little setup. I'm gonna turn my camera on so you can see my hands. Here we go, welcome back. And today we're going to continue our series on friendship, and we're going to need for this A4 paper, or letter size paper, tape,
scissors and your favorite markers, and we're going to get started. Maybe Elena, you want to show what you have? What are the materials you chose for you today? Anything different from me? I think Elena is going to transform her project into a mobile. Alors, Elena va faire, elle, un projet un peu différent, mais avant, parce qu'en premier, j'ai fait la chose un peu différemment, mais avant, elle va lire le livre Dance, qui n'existe pas encore aux États-Unis. The book Dance doesn't exist yet in America. Et so, Elena, à toi. Ciao, bimbi, buongiorno a tutti. Et ça, c'est le livre. Le dernier livre d'Hervé qui s'appelle Danse ou Dance. C'est sorti avec Regarde qu'on a utilisé hier pour faire le lien avec les yeux, avec la mitrée. Et c'est un livre très, très beau et que ça m'a fait sortir beaucoup des idées dans ma tête. Et donc, j'ai partagé avec, comme toutes les fois, avec Virgile, les idées. Et les enfants, ils vont danser ensemble, ils vont faire le tour du monde, enfin, ils sont très contents. Et c'est une belle chose pour l'amitié. Et donc, on a pensé de faire le lien avec ce livre et l'activité d'aujourd'hui. Elena, tu peux montrer le livre quand il est déplié aussi? Tu peux le montrer comment il se déplie? Ah oui. Voilà. Et c'est comme tu peux le relever, il y a toutes les deux parties. Wow. Il y a aussi specchio, la glace, on dit en miroir. Français. Miroir. Bravo. La glace, c'est le gelato, je crois. Non, je peux le dire Maria. Ecco qua. Non, je peux le dire Maria. Alors, on va commencer par dessiner. We're going to start drawing. So today, I want to start very, very simple, just with our paper, vertical, and we're just going to make characters like Hervé that we saw in the book. So I'm going to, and without drawing anything inside, just you start with a simple square, and then you create the arms, and you put the head. And you can... Est-ce que vous pouvez décaler votre feuille à gauche, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est bien comme ça? Merci. Donc, on va faire un premier personnage comme ça. Ensuite, on se dit, tiens, le rectangle, peut-être, you know, it should have a little bit of a different shape. So, you could try to make it like this. Et après, on va penser, les pieds peuvent aller en l'air, les bras peuvent partir aussi différemment, et la tête. Puis, on peut aussi faire des cheveux, si on veut faire une fille, par exemple. Et on peut aussi éventuellement faire différentes formes pour le corps. Mais aujourd'hui, moi, je vais continuer avec des rectangles. Vous allez voir pourquoi après. Ah. Et alors, évidemment, si à vous de continuer, si vous avez envie de faire plus, vous pouvez faire plus.
Et donc faites beaucoup de personnages comme ça. Essayez de les centrer un peu au milieu de la feuille. Si vous voulez bien les centrer, vous pouvez faire comme on a fait hier. Plier la feuille au milieu. If you want to center things well, you can fold a little bit lightly your paper in the center. Like that. And so then it's easier to center your rectangle. Voilà. Et alors maintenant, je vous propose, maintenant que vous avez fait un... Je ne sais pas combien j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas mal. Maintenant, je vais demander à Aliette de partager avec nous des drapeaux. Alors, vous vous rappelez, c'était le 14 juillet, et... on peut faire. Oula, j'ai perdu la mine. Pardon. Comme c'est le 14 juillet, on peut faire évidemment un drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, je sais pas pourquoi mes mines s'en vont. Je vous propose de dessiner des drapeaux que vous connaissez, que vous aimez. Merci. À vous de choisir celui que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup, évidemment, le drapeau américain, le drapeau français. Donc là, je vais faire le drapeau américain. Qu'est-ce que je vais faire comme drapeau? Je vais faire le drapeau italien, bien sûr. Alors, c'est rouge, blanc et vert, le drapeau italien, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Merci, Elena. On va faire... le drapeau espagnol aussi. Donc c'est rouge, oula, il y a beaucoup de drapeaux là, c'est comme ça je crois le drapeau espagnol, et puis il y a une sorte de couronne ici. Ensuite, on peut faire le drapeau japonais, évidemment. Ça, c'est facile. C'est tellement joli. Est-ce qu'on ferait aussi... qu'est-ce qu'on connaît comme drapeau africain? Est-ce qu'on fait le drapeau... Alors, j'adorerais faire le drapeau du Kenya pour Chris, mais il faudrait que vous nous montriez le drapeau du Kenya, parce que je vais faire des erreurs. Je sais que c'est rouge, vert... et noir, de mémoire, mais je ne sais plus dans quel ordre. Il y a du blanc aussi. Aliette, je vous ai fait un défi, là. Alors, en attendant, vous trouvez le drapeau du Kenya, je vais faire le drapeau du
drapeau grec. Est-ce que je me souviens du drapeau grec? Voilà, j'ai peur, j'ai le trac là. Je crois que c'est comme ça. Ah, génial, le Kenya. J'ai bien le drapeau grec après. J'ai peur d'avoir fait une erreur. Ah, le drapeau du Kenya, merveilleux. Alors, c'est du noir. Faut faire attention, il y a un peu de rouge au milieu. On va commencer par le milieu. Magnifique bouclier. Voilà. Et après, il y a du noir. Mais il y a le bouclier devant. Du vert. Avec le bouclier dedans. Et du rouge. Kenya. Est-ce que vous montreriez le drapeau grec? J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Est-ce qu'on a une suggestion de drapeau? Ah, j'en ai presque plus. J'aurais mieux en faire d'autres. On a fait. Est-ce qu'on veut faire le drapeau belge, par exemple? Ah, le grec. Super. Merci beaucoup. Donc, je me suis un petit peu trompé, mais pas trop. Je vais le refaire. Je l'ai fait à l'envers. Voilà. Voilà. Alors, pour grec. Bon, il est moins bien finalement. Oui, c'était mieux la première fois. Et qu'est-ce qu'on a encore comme drapeau qu'on peut faire? On pourrait faire un drapeau anglais qui est merveilleux. Drapeau canadien. Ah, le drapeau canadien. Ok, alors on fait le drapeau canadien. Alors c'est rouge, blanc, rouge avec la feuille blanche ou c'est rouge avec la feuille blanche? Je ne me rappelle plus exactement. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Avec une belle feuille d'érable. Quelle bonne idée, nos amis, nos voisins canadiens. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore comme drapeau? Est-ce que... Ah ouais, je vais faire le drapeau anglais. Alors... Je vais faire un autre personnage qui danse, du coup. Voilà. Et donc, le drapeau anglais, c'est ça, c'est une sorte de croix. Avec, je crois que j'aurai besoin d'aide. Après, il y a des lignes, il y a encore du rouge, et une autre croix. Dans ce sens-là aussi. C'est ça. Et après, c'est comme ça. On remplit à peu près des triangles et on laisse du blanc, je crois. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop trompé. Et bien sûr, il nous manque nos amis les Belges. D'ailleurs, je ne me souviens plus du tout de l'ordre. I don't remember the order. C'est noir, jaune, rouge, je crois. Les Belges. Les enfants, vous. Est-ce qu'on a des amis Belges? C'est bien ça, Virgile. C'est noir, jaune, rouge.
dis, on n'a pas fait beaucoup de filles. Hein. Noir, jaune, rose. Voilà. Alors, regardez comme c'est joyeux. On a nos amis belges, les Anglais, les Canadiens, les Grecs, les Kenyans, les Japonais, les Espagnols, les Italiens, les Américains et les Français. Ça, c'est quand même fabuleux. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens? Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'amuse à les découper et à les mélanger. Et donc pour ça, on va les découper, on va prendre le centre du personnage, comme on l'a fait. Donc on prend d'ici à là, les moitiés, et on essaie de bien coller la page, et aussi pour que la tête soit à moitié. Et donc voilà, ça fait un pliage un peu bizarre, et après, hop, on coupe au milieu. Comme ça. Donc, on a découpé les Américains en deux. Maintenant, on va découper les Français en deux. Alors, celui-là, c'est pas facile parce qu'il est de travers. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Hop. Je vais quand même découper droit. C'est pas grave. Donc, on découpe nos Français en deux. Hop. Italienne, hop, italienne, et voilà. Italienne, elle est pliée en deux. Ciao. Alors, j'ai fait vraiment très librement les. Ah ben voilà, celui-là, il marche parfaitement. Mon espagnol était bien centré. Faire une japonaise avec des cheveux plus marrants. Hop. Je la découpe en plein milieu. Alors, le Kenyan. Ça va faire des formes extraordinaires. Voilà ce que ça va donner. Ça. Notre grec aussi. Notre grec aussi, il va avoir une forme incroyable. Ça, c'est un enfant, on dirait. Je crois qu'il est vraiment plus petit, celui-là. Ça, c'est un petit enfant. Mais il manque encore des filles. Hein. J'ai pas fait assez de filles. On a le. Alors, en même temps, il y a des filles qui ont des cheveux courts aussi. Je sais pas pourquoi je suis toujours avec des cheveux longs. Ça, c'est stéréotypé. Moi, il y a les garçons qui ont les cheveux longs aussi. Hop. Ici, je suis à la moitié. C'est pas grave s'il y a des têtes plus grandes.
d'accord dans des positions très différentes. On ne peut pas faire d'erreur. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces personnages? Je vais maintenant les mettre comme ça sur ma table, les organiser, regarder un peu tout ce qu'on a comme possibilité. Alors, on peut faire une sorte de livre comme on a fait hier, où on les. Où on mélange comme avec les yeux. Ça pourrait très très bien marcher. Voilà. Et là, on va les mélanger. Ou on peut faire une sorte d'accordéon, comme a fait Hervé pour le livre danse. Ça aussi, ça peut bien marcher. Et donc, ce qu'on peut faire alors, à ce moment-là, c'est que... si on écoute les autres... Ouais, ça peut... Donc, on va faire comme ça. Voilà. Mélanger la Belgique au hasard avec l'Italie. Et on prend à l'arrière et on met un petit point de scotch et on met un little bit of tape. On va voir si c'est au bon endroit. C'est parfait. Il faut juste qu'il y ait une ligne qui se touche. Pas besoin qu'elle se touche partout. Si vous arrivez juste à toucher une ligne, c'est suffisamment pour créer une illusion pour les yeux. So just make sure there's like one line that touches. Okay, so that's one. And then I'm going to mix this American character with, regardez, l'espagnol. Peut-être le Japon, c'est plus marrant. Ouais, c'est plus marrant que le Japon. I prefer with Japan. So maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de scotch devant. Il ne faut pas qu'il bouge trop. Voilà. Là, j'ai une petite marque. Le scotch devant, ça c'est mon deuxième caractère. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon petit français? Ça marche pas très bien, il est pas facile le français. Ah, ça c'est mieux déjà. Alors, on va faire mélanger la France et la Grèce, ça me paraît une très bonne idée. Hop, scotch. Et on rassemble les deux comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a déjà fait une petite belge. Salut, il est avec aussi. C'est pas mal de faire l'Amérique ensemble. Alors, Italie, Amérique. Thank you.
Qu'est-ce qu'il me reste? La France et l'Espagne. C'est beau ça. Voilà, ça marche bien parce qu'au centre, il y a aussi un drapeau du Kenya, il y a aussi quelque chose. Ça marche bien. Et donc, bien aligné. Voilà pour le Kenya. Et la France, non. Le Japon et le Canada, c'est pas mal. C'est pas mal le Japon et le Canada. Ah oui, le Japon et l'Angleterre. Non, je préfère le Japon et le Canada, c'est mignon. C'est intéressant, là, ça fait comme une forme abstraite. On trouve des choses qu'on n'avait pas avant. Alors, Elena, comment ça va chez toi? Je suis très concentrée. Qu'est-ce qui se passe au pays d'Elena? Ici, on a beaucoup à faire parce qu'on est... Les enfants, ils sont en train de découper et de chercher ces enfants à unir. Et moi, je suis en train de faire avec le papier en tour du monde avec les enfants que j'ai unis. Ah, c'est super. On dirait comme un traffic jam. J'ai découpé, pendant que je faisais le dessin, j'ai découpé, après j'ai découpé à moitié, après j'ai collé. Très joli. Ça, c'est la France et le Kenya. C'est pas mal. Hein, ça se marie bien. Il y a trois pattes, par contre. Et il y a une jambe en plus. Mais à part ça, ça marche bien. On dira que c'est une jambe en mouvement. Alors maintenant, on a... Waouh, ça, c'est beau. C'est beau, ça. Ça marche très, très bien. Ça, c'est la Grèce et l'Espagne. Ouais. Et alors, je me dis, hein, il va y avoir des choses intéressantes. J'ai assez envie de... Je ne sais pas comment on peut transformer ça en accordéon, comme le livre d'Hervé, mais je le vois. Je vois les choses se passer assez bien. Alors, est-ce qu'on va faire maintenant Canada, Angleterre, Canada, Belgique. Ah ben, on va devoir faire ça, parce que sinon, l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi, était restée un peu de côté. Donc on... Alors là, on n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce qu'on fait comme ça? Ouais, je veux dire, on va faire un peu au milieu en fait. Parce que ce qui est finalement assez beau, c'est les lignes ici. I like how those lines work together. The red and blue function well together. Il y a tellement de pays qu'on aurait pu faire encore. I'm sorry if I missed a country that you love or where you're from, because we really love all the cultures and all the countries here at La Petite École. This workshop could be forever. So many wonderful countries to choose from. And flags. We didn't put any countries from South America, for example. I'd love to put Brazil or Argentina, or Peru.
Mexico. OK. OK. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants? Vous voyez, comme ils se plient, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut encore se rencontrer. On peut continuer à l'accordéon. Alors, en fait, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie qu'on puisse continuer à se mélanger. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais plier comme ça les pages ensemble. Là, ça marche assez bien. Et je fais comme ça, je reviens et là, je regarde l'angle. See the angle? It's in. I'm going to turn around. Trying to keep the angle. And let's see if that works. Okay. Now I need to fold it. I think it works. So now I have mon accordéon. Et maintenant, je vais prendre mon prochain personnage. Alors, maintenant, on a la Grèce et l'Espagne. Et on veut faire rencontrer l'Espagne et l'Angleterre. Je pense qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste coller. C'est ce qu'il y a de plus simple. On va juste coller comme ça, côté à côté. Et ensuite, on va plier. Ça peut marcher. Comme vous pouvez remarquer, j'ai changé d'idée. C'est important de changer d'idée. Donc, on peut faire comme ça. Ou on peut faire... Et là, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le plie un petit peu. On porte un peu le papier. Voilà. Et comme ça, on peut ouvrir. Livre différemment. Voilà. Donc je vais replier. Maintenant, hop. Maintenant, je vais prendre la prochaine page ici. Et on va voir si comment on peut mélanger l'Angleterre. Est-ce que ça marche si on fait ça? Si on fait ça. On va devoir plier comme ça. J'espère que ça ne marche pas. Donc à mon avis, pour celui-là, il va falloir qu'on découpe. Voilà. Et là, on va coller. On colle ici. Là où ça doit plier. Voilà. Donc, ce n'est pas des pages normales, ce n'est pas grave. Mais regardez comme c'est amusant. Et après, hop, on peut faire, on peut continuer à mélanger. Alors, je continue à plier. Maintenant, comment est-ce qu'on va mélanger le prochain? Alors, c'est le Japon et la France ici qu'on va mélanger. Donc, on fait comme ça. On regarde ici. Ouais.
On peut prier le Japon et l'Angleterre ensemble. Et ça continue. Oh, c'est tellement amusant. Et puis celui-là qui ne marche pas très bien. Alors celui-là, je vais le refaire parce que je me suis trompé. I made a mistake. So I'm going to do it again. I thought it would work, but it doesn't. And I think I found a better solution. Donc, quand on fait une erreur, il faut le reconnaître. Il faut changer. When you make a mistake, you have to think about it again. Donc pour ça, en fait, pour corriger mon erreur, to correct my mistake, I'm going to go back here. I'm just going to glue right there the paper. And here, I'm just going to cut the paper like this. I'm going to glue right there. I think that should work. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. C'est pas grave. Non. Là, ça marche. On va mettre le papier. C'est difficile hein, de concevoir un livre. It's great. Now you realize how hard it is to make a book. Right? So we're missing paper, that's why. So I'm going to add paper here with using tape. So that way it's strong. Here we go. Here we are. Not so much. Now we need more. Okay, now we have the Spanish person here. So we're gonna go here and we're gonna put a little girl from Canada. We're gonna mix her up with this happy person in Spain. And we're gonna look what happens here. And we have this. Here we go. Wow. Oh, look at that. We have a Spanish person again. Okay, now I have this Italian. It's going to mix up with the person from Kenya. And the paper touches here. And it touches on the other side here. Let's see if that works. I haven't tried that yet. Oh, this is a really interesting looking book. It doesn't work if I glue on both sides. So I think I need to add paper. Remember, on va rappeler comme on a fait tout à l'heure, on va rajouter, on va créer du papier avec notre scotch, que ce soit solide, so it works well. And for that, we're gonna glue on both sides. Et au départ, c'était pour faire l'Italie et le Kenya. C'est ça? Ouais, Italie, Kenya. Voilà. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Oula, on a, vous voyez comme on a tous ces personnages maintenant et tous ces pays. Quel beau symbole. Hop, alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Ah, non, ça va pas marcher, on va pas faire
rencontrer la Grèce avec la Grèce. On va faire rencontrer le Japon avec la Grèce. Et donc pour ça, on va les ramener comme ça. Et de l'autre côté, on va regarder où est-ce qu'on a une correspondance. Alors, c'est beaucoup de scotch et beaucoup de regards pour la mise en page. Et quand on ouvre ici, on voit qu'en fait, il nous manque beaucoup d'espace parce que notre livre n'est pas droit. C'est pas grave. On met du scotch comme ça. Et on rattache les pages ensemble, même si elles sont loin. Et pour pas que ça colle trop sur le papier, on scotche de l'autre côté. Vous voyez, on voit mon scotch ici. Donc, je vais le couvrir avec du scotch pour pas qu'il colle. I'm going to cover my tape with more tape to reinforce. And so it doesn't glue on both sides. And that way, we have one more character. You see that this is Greece and Spain. And now I'm going to fold Japan on Greece. And it works. I have now another possibility here. It's to mix America and Italy. And I like it because it's also going to work with Greece. And we all know that the Greeks inspired Rome. That's a good thing to honor that. This time it's easy for me because there was an easy connection right there. And I have one more character, and maybe I can use it for the cover because it's a very weird shape. And how am I going to make the cover? Or maybe I can connect on the other side so that it can become like a round book. But look now what we have. We have a book of people from all around the world dancing together and maybe also drawing together like us, and different people with different ideas. We love to do the same thing, all in peace. And you can mix them, it's endless how many combination, and also you can find them again, like here. I just don't know what I'm going to do with my cover. I could maybe attach it on the other side, but I'm afraid it's gonna stop me from, so maybe what I can do is just have it like this, and like that as a cover. Right, I'm going to do that. So I'm just gonna tape it flat. De temps en temps, la meilleure solution, c'est la plus simple. Et il faut qu'on trouve un titre. Voilà, donc ça va être ma couverture. Et je vais l'appeler. Je vais l'appeler danse. Et je vais dire avec. Virgile, vous avez commencé à écrire en anglais. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'est ça, c'est les choses qui arrivent quand on habite trop longtemps aux États-Unis. Danse avec. Hervé, tu l'as. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour. Je l'ai fait à l'américaine. Et ben on va l'écrire en français aussi. On va l'écrire ici.
on dit en italien? Comment est-ce qu'on dit danser en italien? Elena? Danzare. Ah, et comment tu l'écris? De A D A et N ouais. Et Zeta. Z Zeta. Z A ouais. R R E E comme ça. Et on pourrait l'écrire en espagnol aussi. Comment on dit en espagnol? Et tu viens demander à Luz. Ah, Luz. Alors, comment est-ce qu'on est, on dit en espagnol? Bailare. Bailare. Baila, non? Baila. So, it's B. B-A. A. L. I. L. Yeah. B-A-I-L. Yeah. Would it be baila or baile? Baila. 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 Yep. Baila, comme ça? Mm-hmm. Si. Ah. Gracias, muchas gracias. De nada. Est-ce que quelqu'un a une autre... est-ce que je devrais écrire dans une autre langue? Okay. You want to write Baila? Oh, wow. Tu as fait la terre. Et ça, c'est encore en train de... On a fait ça. Ah, c'est très joli. Ah, et il y a... Jean-Marie, il a fait ça. Wow. Un livre. Un livre. Ah, c'est bien, bravo. Il est en train de terminer le livre du monde. C'est génial. Ismaël, il a fait ça. On peut aussi, bien sûr, dessiner une planète Terre. On peut... Ça, c'est Gabriele. On voit, ouais. Super. Oui, Elena, on voit. Il est encore en train de... Ah, c'est bien aussi, ça. C'est bien. J'aime que tu aies fait la terre. J'essaie d'en faire une aussi. Et on peut découper la terre. Et on peut la rajouter devant comme ça. Aussi pu faire la terre sur la tête de l'enfant. Ça, c'est une autre idée. De couverture. C'est amusant de faire des prototypes de livres. Hein?
C'est vraiment toi, Léna, qui m'a donné envie de faire des prototypes de livres. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent partager? Je vais vous montrer rapidement mon livre. Voilà, donc, voilà la couverture. Danse, baila, danzare, dance, avec Hervé Tulay. Jack. Et donc, on ouvre la première page. Est-ce que vous pouvez décaler un tout petit peu à droite? Tout petit peu. Oui. Comme ça. Merci. Voilà, donc, on voit comme ça la première page et on commence à ouvrir. Et là, on voit qu'en fait, les personnages sont mélangés et on peut ouvrir au fur et à mesure en tirant chaque page. Et parfois, on retrouve les personnages entiers. Et puis, au fur et à mesure, il faut de la place. On peut tout déplier. Et on peut tout mélanger. Donc là, le Japon et la Belgique. Et on a comme ça cet énorme prise comme une histoire de guirlande. Ah, et on peut le refermer comme ça. On le referme au fur et à mesure. On crée encore tous ces pays, toutes ces rencontres. Regardez, ça aurait pu être le Japon, ça aurait pu être l'Italie, ça aurait pu être l'Espagne, la Belgique. Très, très amusant. On peut vraiment mélanger la terre entière. Et voilà. Et on revient à la Grèce et la France et le monde. Alors, maintenant, à vous de me montrer ce que vous avez fait. Je suis impatient de voir vos créations. Je sais que, encore une fois, je suis allé un petit peu vite, mais vous pouvez regarder l'enregistrement. Du coup, il avançait à votre vitesse et aller à votre rythme. I know I went a little fast. I'm very sorry, but I know that for a lot of you, you're watching a recording, and so it's easy for you to go back and forth. C'est facile pour vous d'accélérer et d'accélérer la vidéo. Et donc, je vais demander si peut-être Geneviève, peut-être Ulysse et Elsa. Qu'est-ce que vous avez fait de merveilleux? Waouh, voilà des superbes. Oh, j'adore les triangles. C'est très beau avec les triangles aussi. On dirait des shadocks. Est-ce qu'on a d'autres? Ulysse, tu veux nous montrer? Oh, il y a encore plein. Waouh, Elsa. Ouh, et tu les as découpés. Super. Et le Canada, magnifique. Alors, et toi, Geneviève? Oh, tiens. Ah, génial. Oui, le calé après. Oh, c'est beau. On dirait des Giacometti. Hein, c'est superbe. Merveilleux. Ouh, bravo, vous avez collé beaucoup de choses. Vous avez été aussi vite que moi. Extraordinaire. Bravo, c'est génial. Il y a encore un pays. Ça marche pour vous arriver à les mélanger? C'est pas facile de les mélanger. Mais tu as fait un superbe livre. Oh, wow. J'adore la jambe. C'est très beau. Ah, Félix, toi aussi, tu as fait un livre. Ouh, quel beau drapeau. Oh, we'll fix it. Okay. Ah, génial, c'est très très bien. Très très bien. Merci beaucoup. Il en a fait encore d'autres? T'as déchiré beaucoup. C'est bien, ça marche aussi en déchirant. Bravo. Très très intéressant. Lou, est-ce que tu veux partager? Aussi. Ah ben oui. Ah, c'est beau. C'est la mode aussi. C'est les costumes.
Louis a été inspiré par Geneviève, je pense. Elle a vu le la chemise merveilleuse de Geneviève et elle a été inspirée. Super. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous partagerez aussi sur Instagram et les réseaux sociaux. I hope you will share on Instagram, Facebook, and all the social media. Don't forget to tag La Petite École NYC and also Hervé Tulet. You can also use hashtags as you like. That way we can see the beautiful work you've done. And we'll see you next week. So starting next week, I will only do one workshop per week on Wednesdays. And that until for the next 2 weeks. And maybe I'm going to take a break for August. I will let you know how things get organized here in America. We still have a few things to worry about. So I will keep you posted on Facebook and on Instagram. So continue to follow us. Send us the wonderful thing you do. Watch the replays. We've done so much the past. I say it's almost been 10 weeks. So there's about 30 videos of ideas. It's a whole curriculum for many schools that they can pick up from. And I'm sure there's many projects that you can be inspired and do even better. And please share with us as we also need ideas. We don't have all the ideas. You have them as well. So thank you again for coming for all this workshop. And I'll see you again next week on Wednesday. And if we add more workshops, we'll post them on Instagram and Facebook to let you know. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous mes amis sur Zoom. Thank you so much for joining me on Zoom. Thank you, Elena, again, for all your ideas. And thank you to your children. Congratulations to them. Merci. Merci, Geneviève. Merci, Ulysse. Merci, Elsa. Merci, Johan. Merci, Mathilde. Ciao à tutti, grazie. Ciao. Bonne journée, bon week-end. Bye, thank you so much. Merci beaucoup. Bye, thanks. Bye. Ciao, Geneviève. Ciao, Elsa. Merci, Elsa. Devi fare vedere il disegno a Virgile, eccolo qua. Non, tagliato. A bientôt.